Le rescapé d'une dimension, le rescapé d'une dimension, trop bien dans son élément. Merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir reçu, vous ne serez pas déçus. Oh que je passe bien à l'antenne. Merci de m'avoir reçu, vous ne serez pas déçus. Le rescapé d'une autre dimension, le rescapé d'une autre dimension. Ok, je passe bien à l'antenne, mais écoutez, ça vaut la peine. C'est bizarre que vous me captez, je viens d'une dimension parallèle. Ça montre que vous êtes fort dans votre domaine. D'une phase spatio-temporelle, ils craignent. Dans l'espace-temps, moi je m'y baigne. Bon, dites-moi, vous vous êtes perdu dans l'espace-temps. Je t'ai dit que je m'y baigne, donc pas grand-chose t'inquiétant. Je sais pertinemment que l'espace-temps est très attrayant. Je surveille quand même mes environs. Entre tous les dimensions, il y a des lésions. Quand tu veux aller à une dimension, il ne faut pas se tromper de direction. Bien vu pour vos captations. Après ça dépend de votre connexion. Es-tu bien branché sur l'honnête? D'ailleurs dans l'espace-temps il faut que je vois net. Mais de tous les voyages je suis très adepte. Je vole, je suis à l'aise comme Spiro. Je suis vraiment intrépide. Que ça serait difficile de me retrouver dans le Cluedo. Oh tiens un petit truc qui passe. Je mange le Mikado. Oh je vois un traîneau qui ressemble à celui de votre Père Noël. J'espère que vous aurez tous vos cadeaux. Il peut se passer tout et n'importe quoi dans l'espace-temps. Entre voyageurs on est très fidèles. De queue on est beaucoup permutants. Il y a n'importe qui et n'importe quoi dans l'espace-temps. Du coup il faut pas hésiter à être percutant. Pourquoi vous me parlez de raccommodeur? Vous voulez me raccommoder? Pourquoi vous parlez de raccommodeur? Vous voulez me raccommoder? En fait, vous pensez que je viens de votre dimension? Oh bordel, je suis toujours dans l'action. Venez me juger avec votre satisfaction. Pas besoin de croiser au tribunal. Vous me servirez en fait de cobaye. Comme vous l'avez dit, vous voulez me raccommoder? Je passe vraiment du pantin dans l'espace-temps. En plus pour le moment, la vitesse d'attraction de l'espace-temps est constante. Et bien de venir à votre dimension, j'ai hâte. Et s'il faut, je m'adapte. J'ai tellement voyagé dans l'espace-temps que j'ai déjà franchi un stade. Voyager dans l'espace-temps c'est exorbitant mais un peu fatigant. Que veux-tu que je te dise mon grand? Je peux à tout moment croiser un éléphant sorti de nulle part. Beaucoup de voyageurs prennent le temps pour un Beaucoup de voyageurs prennent l'espace-temps pour un cauchemar. Accrochez-vous car sinon vous risquerez de vous perdre pour l'éternité. Dans l'espace-temps, c'est aussi une forme de liberté. Dans l'espace-temps, il faut bien s'immerger. C'est comme si tu étais sous l'eau, donc tu peux y nager. Tu peux jouer ici, donc tu peux y rager. Mais vers la prochaine dimension, il faut être préparé. Entre les vrais voyageurs, on développe une fraternité. Je suis humanoïde, mais je fais confiance à l'humanité. Pour ceux ou celles qui ne se sentent pas trop bien, je mangerai pas trop de dragées. Naviguer ici, c'est comme le code de la route. C'est pas trop comme le code de la route, mais tu peux te faire verbaliser.